Voilà, on est de retour. Peut-être pour la dernière partie, ça dépend du temps que je mets. Alors, dernière fois, on avait fait le troisième chapitre. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Ici, on avait tout fait. Le problème, c'est que j'ai pas pu débloquer cette mission-là parce qu'il fallait faire un rang A sur le troisième niveau. Sauf que, comme vous voyez, je l'ai. Comment j'ai fait? Bah, j'ai simplement mis le jeu en facile. J'ai fait le rang A et en fait, ça débloque la mission secondaire. Et j'ai remis un normal qui est en B et ça l'a laissé. Donc tant mieux. Tant mieux, on va pouvoir le faire. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Et puis après on fera le chapitre 4. Quoi. Comme ça on verra bien quoi. Ouais, c'est ça, c'est Slan. C'est le jeu de le Rail Shooter. Dans l'univers de Hero. Ça va, merci beaucoup Ikagura. Et puis à une prochaine. Par contre je risque de galérer. Parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Bah ça fait plus d'un mois. Et que voilà, c'est pas hyper simple, je trouve. Donc je vais faire au mieux, quoi. Je vais prendre ça, commencer. Ouais, on va faire au mieux, quoi. Au pire des cas, si vraiment je galère trop, que j'arrive pas à passer des niveaux, je me mettrai en facile, quoi. In Umbrella's underground laboratory, I forgot that wisdom. Something about the meeting with Leon changed me. First things first, though. I must escape this town and survive in order to accomplish my objective. I can save the truth for after I make it out alive. Ah, attends, ça se passe quand? C'est à la fin du 2, ça? Elle est bien amochée quand même. Ouais, je pourrais pas trop vous dire hein, où ça se situe tout ça, je suis pas très... je connais pas trop la série. Enfin, j'ai fait plusieurs jeux, mais... pas plus que ça. Par contre, j'ai pas de vie. Putain, on commence avec les araignées. Tu sais que c'est connerie, pourquoi j'ai si peu de vie? Comment on change d'arme? Je sais plus. Je crois que je retrouve mes boutons d'abord. Hop. Ah voilà, c'est ça. Ok. J'espère que c'est bon pour vous là, niveau son, tout ça. Normalement ça n'a pas changé. Hein. Enfin. J'ai une voix un peu moins forte qu'avant. Peut-être que. On n'entend pas forcément bien, je sais pas. Pas bien là. Je vais garder mon. Regardez ça. Putain, c'est quoi? C'est un lance-grenade? J'ai pas de spray. Ok, c'est ok pour vous. Donc nickel. J'ai l'impression que c'est le genre de mission où faut tout faire en one shot quoi. Enfin, faut pas se faire toucher plus d'une fois quoi. Ah, c'est vrai que j'ai les grenades. Attends, je crois qu'il faut faire ça. Ou ça. Ah voilà, ok, c'est ça. Ah oui, oui, oui. T'as dit autre chose là. C'est quoi ça? Je vais rester au fusil. Hein. Ou alors, je prends ça. Putain, ah, je l'avais pas vu.
je sais plus quel bouton c'est, putain. Ça craint. Juste comme un pied. Joli. Putain, c'était pas ce que je voulais, mais bon. C'est un peu l'arrache. Quoi? Bon, j'ai un checkpoint là, j'imagine. He lost his will and chose death. He was weak. Wesker. And you, Ada, you have also failed. Your actions in betraying us and helping that Leon fellow will have consequences for our organization. See this? It's a tissue fragment with Birkin's G-virus. Well, despite some setbacks, you have proven your value to us. Ada, there are two things you must be made aware of. One, in just moments, Raccoon City will be completely eradicated by a government-launched missile. And two, an Umbrella officer will be leaving town in a helicopter. If you are not on it, there will be no way to leave Raccoon City. It is in our best interest that you survive. The G-virus sample is required. If the T-virus did this, what would happen if the G-virus got out? Marrant ce scénario là. Wesker. Je crois pas qu'il y ait un checkpoint. He only cares about people and things that he can manipulate for his own needs. But I know the day I stop being useful is the day I'm disposed of. Putain, mais j'arrivais plus à tirer. Salut Anton! Il y a un truc là, non? Ah non, je croyais. J'ai hâte de recharger tout le temps. Quoi, il y a un boss là? Ouais, j'avoue, pour moi c'est la même chose partout. Ah ouais. Ah ouais, non mais les QTE c'est. C'est hélas compliqué. Quand c'est pas la manette avec la Wiimote quoi. Ah je sais pas ce que c'est, ça doit être... c'est clic droit, voilà. Oh putain, je reprends du début. Ouh. Ah ouais, ça va être douloureux en fait. Ah ouais... Ah ouais, non mais ça va être horrible. Ah ouais, non mais je vais crever au QTE quoi, tout le temps quoi. Je vais essayer un coup, mais il va falloir que je trouve une astuce, quoi. Attends, je vais faire une connerie, je sais pas si... Putain, pourtant j'ai bien... Je vais crever. Je sais pas si F2 c'est une save set ou pas, quoi. Ou si c'est un load là-bas, voilà. Il faudrait que je trouve un spray aussi, mais j'ai l'impression que cette mission va être juste trop dure quoi. Cinématique, putain. Je sauterai les cinématiques, quoi.
We were supposed to meet in that hotel. This is the place. J'ai trop de mal à visser comme je voudrais, hein. J'ai toujours ce même problème de lenteur sur la souris, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Putain, mais je passe mon temps à recharger. Ça marche plus? Allô? Non, je vais encore crever. Ah. Je sais pas ce qui se passe. Ok, bah j'ai perdu la moitié de la vie parce que le truc recharger non-stop. Ouf, ça va être compliqué, je pense, quand même, hein, ce niveau, hein. J'ai peut-être passé direct au quatrième chapitre. He only cares about people and things that he can manipulate from his own hands. Et tout à l'heure, ça faisait pas ça, quoi. C'est quoi ce... Oh là 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 là. Bon, ça va être très compliqué. Je sais pas. Je vais mettre non. On va passer au quatrième chapitre. Je le sens pas, ça. Là, on va passer 3 heures sur celui-là. C'est pour les pro-gamers. Je le suis pas. Allez. C'est pas grave. On aura essayé. C'est trop dur pour moi. Ça se trouve, ça va être la merde là. J'hésite à me foutre en facile tellement. En fait. Tellement je vais pas être bon, quoi. Tiens, on va prendre Jill. Prochain, on prendra Chris. Ou alors, faut prendre des grosses armes comme ça, je sais pas. Faut connaître les jeux, quoi. Non, oh, l'autre, je sais pas, là. Umbrella on retentera peut-être plus tard, mais en facile. Government inquiries into their involvement in the Raccoon City incident. Before long, they were able to redirect responsibility for the incident. Part of the blame was cleverly shifted to the American government. Umbrella had strong ties and deep pockets. Thus, they were able to drag out the legal proceedings. Over time, it appeared that all evidence of Umbrella's involvement had vanished with the missile touchdown. How convenient for them. Though fortune has a way of turning when you least expect it. It was the year 2003. Umbrella had a base of operations in Russia, where they were working on a new BOW. They were preparing to arm the unstable regions of the world with their bioweaponry. Chris and Jill had joined a regional biohazard containment unit and had heard rumors about this nightmarish facility. They recklessly plunged in to shut it down. They have no idea of the awesome and terrible power that awaits them with the new BOW, Talos. Alors là, je sais pas du tout où ça se situe. Peut-être qu'il y a un film ou je sais quoi. Everybody prepare for landing. Stay on guard. We can't afford any mistakes. Aucune idée. Peut-être. I really hope this new bioweapon is just a rumor. We'll just take out whatever they throw at us.
Enfin, le 5 il est sorti à quelle année? Parce que là, c'est un jeu de 2007. Le 5 était sorti POW, déjà? Je suis pas sûr. Stay on guard. Je l'ai fait, hein, putain. Bon, je sens que je vais être très nul. Je vais être très nul ce soir. Il y a un truc incroyable. Ah, il y avait des trucs à ramasser, j'ai pas eu le temps de voir. Oh bien, nickel. Ouais, voilà, c'est sorti en 2009, c'est pour ça, ça m'étonnait. Elle est one shot. On peut peut-être pas avec une mitraillette. Ou là on peut pas avec cela. Si on peut, mais putain faut viser au-dessus de la tête quoi. Facile à viser, hein, vraiment. Ce qui est fou, c'est que je suis niveau 3 avec la mitraillette, hein. Je suis au max. Ah, j'ai vu un truc clignoter à gauche, là au sol. Mais je dois plus avoir de trucs, j'imagine. Oh là là. Quand même. Ouais. J'ai eu l'idée là. Faut que j'y pense plus souvent. Allez non, faut pas aller là. Là où on voit rien quoi, forcément les meilleurs choix ça. Putain. It's dark. Stay on your toes. Il y a un truc qui clignotait à gauche, je l'ai raté. Je
C'est pas grave. Putain. Ouais, ça c'est un peu gratuit ça. J'ai plus de balles. C'est infernal quoi. Allez, je peux pas aller sur la gauche. J'ai un souris qui est à moitié bloqué, putain, j'arrive pas à viser quoi. C'est une cata. C'est une cata. Putain, je sais pas, ça bouge mal quoi. Putain, j'ai pas le temps de changer, j'ai le temps de rien. Bon bah, rip hein. Y'a pas de checkpoint, y'a rien. Si je vais faire long feu sur ce jeu hein, finalement. Je suis pas en état en fait. Alors je sais qu'on peut bouger la vue hein, mais c'est juste infernal avec les touches. Oh putain. Oh c'est chaud. Alors est-ce que si on reprend au début, laisse tomber hein. Non c'est au choix là. On va essayer l'autre. Ce qui est bien c'est que j'ai le spray hein. Mais je crois que je vais me mettre en facile pour la fin. Enfin je sais pas, je suis pas en forme là pour... Enfin pas en forme. C'est trop longtemps que j'y ai pas joué et j'ai du mal quoi. J'arrive pas à être précis. Là je le lève la souris mais ça veut pas monter en fait. Il y a une putain de latence, enfin je sais pas, je sais vraiment pas comment vous l'expliquer quoi. La sensation quoi, mais c'est pas précis quoi. Mais bon, c'est pas... Normalement, ça se joue pas à la souris. Je sais pas si c'est le fait que le jeu soit en 30 fps, j'en sais rien, si ça joue sur le... Sur le lag de l'input, enfin l'input lag, j'en sais rien. Bref. Je vais arrêter de me plaindre là-dessus, mais c'est frustrant, quoi. Spam, ah c'est bon. Alors. C'est plutôt tranquille.
droite, s'il te plaît. Ah oh, voilà, non. Quoi? C'est quoi cette grenade là? Faut vraiment viser au-dessus de la tête, quoi. C'était violent pour eux. Je sens pas là, je sais pas, c'est bizarre quand même. Ok. Putain, un checkpoint. Mais la vache, c'était vachement plus simple en haut. J'avais vraiment pris le pire chemin tout à l'heure là en bas. Bon, écoute, hein. J'ai la vie quand même pas mal, j'ai toujours le spray. Là, je vais pas me plaindre, hein. Non mais ça y est, il faut des réflexes à la Dragon Slayer là. Ça, il était fragile lui. Je vais me réviser au-dessus de la tête, mais putain je peux pas avec ce curseur. J'arrive pas à aller à gauche, putain, c'est... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement cette visée. C'est horrible. J'ai l'impression vraiment d'avoir un tank dans la main, quoi. Je spam. Ok, merci. J'ai quand même hâte de finir le jeu, hein, pour vous dire, pour passer à autre chose, quoi, parce que je sature un peu quand même. C'est sympa, mais bon, voilà. Le Dark Side Chronicles, on verra ça bien plus tard également. We're going in here? No, ladies first this time. Oh, je l'ai eu. This is the place. Ah, mais ça joue sur les réflexes de fou là. Yeah. What's wrong, Jill? Oh, it's nothing. Merde. Pour une herbe alors que c'était pas nécessaire, mais bon. En même temps, tu vois un pixel qui brille, tu sais pas ce que c'est. Compliqué là.
sont à l'opposé là et l'autre il arrête pas de cracher. Tu meurs toi. Ok, c'est bon, ça c'est bien, ça ça fait pas mal de munitions. Ah, il y en avait un autre. Ah, boss. Oh non, oh putain. Bah ouais. Donc là c'était clic gauche, hein, c'était pas clic droit. Ah d'accord, donc le spray ignoré quoi. Ah putain, la passion là, les QTE c'est de la passion là. On recommence tout. Non, ça va. Ça va, ils m'ont pas foutu trop loin. Alors B, clic gauche, A, clic droit. Faut que j'arrive à retenir ça quoi. Putain, mais sauf que j'y arrive pas, j'ai trop de mal. C'est pas... je sais pas. Clic gauche. Ok. Heureusement qu'il y en a qu'un quand même. On pourrait enchaîner des séries de QTE. Voilà, j'aurais abandonné. Hein. Un coup là, je sais pas par quoi, mais ah, par lui. Mode bourrinage, ça me saoule d'essayer de viser. Bien comme elle tombe, elle tombe bien droit. Ah, il y a un truc, je l'ai vu. Ok, donc il y a la caméra qui bouge dans tous les sens. Non. Change d'arme. Putain, il change d'arme. Oh. Catastrophe. C'est très puissant comme arme. Where'd they all come from? We're getting surrounded. We have to fall back. You're right. Run for it. Damn it. Ça, ça, voilà. Bronson. Chris. We can't let his death be in vain. All right. Let's see this through. Right. Let's go. Ils en ont foutu un peu trop des hunters. Hein. On est. Peu trop. C'est un peu débile quand même là, d'en mettre autant. There were so many of them. What's with this place? We'll have to check it out.
Chris, something about this floor. Yeah, I noticed. Abandon hope. The nightmare ends here and now. Ok, on a fini le premier niveau. Putain, c'est tendu, hein. Ah, tir sur ennemi, j'ai été pas mal. Ah, mais attends, j'ai des étoiles. Peut-être pouvoir améliorer quelques armes. Bon, je continue en normal, mais quand même, c'est... Non, c'est pas ça. Je vais personnaliser. Ah mais il y a un niveau de plus pour cette mitraillette. C'est augmenté puissance en plus. Ça peut être cool. Ah ouais, donc ce fusil en fait il est en D plus puissance quoi. C'est pas ouf quoi. Et celui-là il est à quoi? Augmenter capacité, augmenter munitions. Bon, j'ai envie de foutre le niveau 5. En passant C+. Par contre, je sais pas s'il me reste beaucoup de munitions pour cette arme. Merci. On va prendre Chris cette fois. 120 balles. Sinon, j'ai ça. Mais bon, faut que je fasse mal, quoi. Attends, on se tape que des hunters pratiquement. Faut vraiment quelque chose qui tabasse quoi. Là, je sais pas si je ferai les quêtes annexes après l'histoire principale là parce que bon ça va être un peu naze aussi. Pourtant on est pas à 4 heures de live mais bon. They've got their sticky fingers in every pot. This thing sure goes down deep. It's starting to look like the right place. We've only just recently learned about this place. I'm willing to bet it's hiding something important. They wouldn't build all this for nothing. From the size of the facility, c'est invisible là, si la caméra fait que bouger. J'ai spammé, ça n'a pas voulu. Tu regardes à droite, voilà. Mais quoi? Putain, mais c'est quoi cette vue là? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a un crasheur. Je cherche le spray là. Putain, j'ai plus quasiment plus de balles. Putain. Il meurt pas lui. Yes. What do you think of the rumors about a new BOW?
I'm not sure, but I bet we'll find out soon enough. Merde, par terre. Ok, c'est bon. Fausse alerte ? Non, il y a un truc qui va sortir. Je crois qu'il y avait un truc qui brillait à gauche. Oui, ils attaquent vite, quoi. C'est pas trop mal cette arme parce que ça se recharge très vite. Je vais le laisser. Oui, c'est vrai, c'était des liqueurs. Ouais. Love our choices. Either way, we have to keep going. Ah pardon. Voilà. Force. Je comprends pas, c'est quoi la différence entre les deux? Enfin, c'est pas la même aide, sans doute. Il n'y a pas de gros changement. Oh, putain de requin. Oh, putain, il a fait une pause. Are getting moved. What's in them? We better check them out. Fire! Why are they destroying them? This must be a disposal facility. What the? Why would they destroy their own products? So anything that doesn't pass the test gets toasted. Look, the container! It's still alive! Y'a rien dans les caisses quoi. Putain. Lui, c'est expéditif, mais ah ouais, il est là, la touche. Je m'en souviens très bien, je m'en souviens pas du tout. Ah ouais? Ouais, il est pas très marquant, peut-être. J'ai changé d'arme, bordel. Bon, checkpoint. Par contre, bon, j'ai pas utilisé le spray, mais j'ai plus de vie. Quoi. C'est bon, je l'ai. Du fusil, ça. Petite mitraillette, donc très bien. Y'a rien dans les caisses. Quoi, c'est assez singe. Je vide 300 balles sur la gueule et ça les ralentit pas.
Parfois tu les one shot quoi. Je comprends pas trop. Ah, super, la santé juste après quoi. On change totalement d'ambiance. It's getting away. Not if we can help it. It's a trap. Yeah. Accès à la vue aussi facilement. Non, ils abusent. Oh, la vue qui arrête pas de bouger de partout. Attends, je pense une grenade. Je sais pas ce qui se passe. It's the final stretch. Let's move it. Ah, QTE, merde. Je m'attends au pire. C'est bouton droit. Merde, c'est une série de QTE, ce que je disais tout à l'heure, putain. Non, peut-être pas. Ouais, bien sûr. Putain, n'importe quoi. Security systems active? That must mean we're getting close to something. Ah, Matrix, quoi, clair. We can't get through. Ah, j'aimerais tellement. Ah, c'est lié au film, ce passage. Il faut la même. C'est un peu gratuit là, le coup que j'ai pris. Oh là-bas. Putain, il a bien tremblé lui. Il faut buter ça là. Il y a des frelons. How many of these things are there? Looks like they filled up quite an inventory. Salut route. Comment ça va? Première erreur en film. Dire que les développeurs mettent. C'était un délire que les développeurs mettent des trucs du film. C'est dans. Oh, 2 étoiles. Alors, rang B, hein, c'est pas trop mal. En S là le temps. Alors je sais pas trop comment j'ai fait vu qu'en plus j'étais mort. Est-ce que je peux booster un petit peu cette pistolet automatique là? Ah, il faut 4 étoiles, putain, salope. C'est dommage. Et hop, on va pouvoir faire ça.
Ah, je veux bien me garder ça en fait, hein. Même si c'est niveau 1, c'est pas terrible. Mais on va voir un boss là peut-être, hein. Oh, c'est bon. On nous filera ce qu'il faut, je pense. Et merci bien. Après, je vous avoue que l'histoire, je la suis à moitié. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça super passionnant. en bas. Putain, priorité. Mais bon, c'est aussi parce que je suis crevé, hein, que je regarde, je suis à moitié, quoi. J'étais avec la mitraillette, mais non. Putain, c'est l'ascenseur là, c'est Street of Rage là. Tous les ennemis là vont arriver. Ok. Ça sera bien un petit checkpoint là. En plus là j'ai bien cramé mes munitions, hein. Faut que j'en récupère là. C'était bien dans le crâne. Code 303. 383 plutôt. Est-ce que c'est lié à un film, ça? J'ai l'impression qu'il y a plein de références au film, hein, ce chapitre. Pas vu qu'il y avait un bidon explosif. Ah, meilleur QTE. Maintenant j'ai compris, hein, quand il y a un flash comme ça. Putain, c'est quoi déjà? Ouais, ok, c'est bon. Okay. Ça, heureusement que je l'ai mieux paramétré là, le secouage de Wiimote. Parce que rappelez-vous qu'il y avait un QTE où c'était impossible. T'as pas des bonus là-dedans? Peut-être bouger la tête, putain, c'est chiant. C'est trop chiant. C'est quoi ces ennemis là? T'as jamais vu cela? On s'excite là. Tout le monde. Si, je l'ai.
Non mais... Et salut Mardios, c'est les plantes dans Hero 2. Ah putain, il y a des plantes avec cette gueule-là, je m'en rappelle plus. C'est possible. Oh putain, tu dégages. Putain, c'est une blague là. Mais c'est une blague, putain. Oh là là. Putain, c'est catastrophique parfois. Un checkpoint avec deux points de vie. C'est l'enfer là, il y a des singes qui arrivent. Voilà. Which way should we go? What's that switch do? That device is linked to the door. Ça marche, Winyard, bah merci d'avoir été là. Merci pour le sub, tout ça. Et bah bonne nuit, à très bientôt, faut faire un truc là. Attends. Évidemment, j'ai pas écouté. Je sais pas, on va aller là. Et à la prochaine. Mieux. Ils nous ont foutu un labyrinthe, c'est marrant ça. It's just the same room, over and over. It must be set up this way to confuse intruders. Ah ouais, donc il va falloir trouver son chemin, putain oui. Je suis prêt pour ça là. Bientôt. Ça se trouve, je vais tourner en rond. Ah non. Il y a des armes là-bas. Un gros plan, c'est bien. Bon, dommage. J'ai pourtant tiré dessus, mais bon. Ah, puis la santé qu'elle a. C'était un peu chiant ce passage là, enfin un peu, je sais pas, lent. It's probably where they test BOWs. I'm sure you understand the thrill of battle and the rush that comes with the feeling of being alive after a good battle. Another Umbrella Psycho. The latest in Umbrella's product line. Codename Talos, a pinnacle of biological weapons, all controlled by the Red Queen computer. Ah, rien que ça, quoi. The ultimate weapon. Putain. Ouais, mais là, j'ai rien pouvoir faire. We need to shoot him down.
Ah, j'avais un QTE, mais en fait, je voulais tirer, quoi. Bah là aussi, je voulais tirer. Faut que je comprenne ce qu'il faut faire. Oh là là. Ah ouais, mais là non. Ah ouais, non, mais ça va être QTE Land. Oh, ça va être horrible. Oh, il y a des QTE partout. Rockets, we need to shoot them down. So this is what they've been developing. What do we do now? Nothing seems to be working. We have to find a weakness. J'ai fait rien, les grenades. J'ai fait les deux. Oh, putain, j'avais pas besoin de ça. Oh, le cauchemar. Oh putain, on va être bloqué là-dessus. Oh putain. Rockets, we need to shoot them down. So this is what they've been developing. What do we do now? Nothing seems to be working. We have to find a weakness. Là, qu'est-ce que je shoot pour lui faire mal là? Ah non, mais je lui ai rien fait perdre. Tant que je réfléchisse à quel bouton faut appuyer. If they can make it, we can break. Ah si, la tête ça marche. Oups, ça aussi. I hope this is wearing it down. Ça, par contre non. Getting through that armor. We have to take its protection out. The moment of truth. This should be interesting. J'ai fait les deux. Ça passe. Oh non, il y a une P2, ouais, c'est mort. Oh, s'il y a une P2, c'est mort, j'ai plus rien. Oh. Ouais, merci, mais bon. Pourquoi il y a la vie qui est tombée? Oh, j'ai vraiment plus rien. Hein? Je peux plus tirer. Ah, j'ai plus rien. Ah, d'accord, je suis mort. Putain. Oh, le Dark Side, je crois que je vais laisser ça à quelqu'un d'autre en fait. Ah non, j'en ai ma claque de ce jeu. Ah, ça change. Je sais plus quel bouton c'est, j'ai pas le temps de réfléchir. Non mais stop les QTE là, c'est pas intéressant du tout. J'ai pas d'armes. Je sais pas ce qu'il faut viser, je comprends rien. Il y a une munition là-bas. Ah. I have a bad feeling about this. Chris, look out! Watch the tentacles!
Skulls! Take it out! Hang back! I'll handle this! Je peux pas faire les deux. Oh, c'est nul. C'est tellement la yesh. Ah oui. Je pense que je les ferai sur YouTube, hein, l'émission secondaire. Hein. Je ferai plus en live. Enfin, je sais pas, parce que je pense que tout le monde en a marre de voir ce jeu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vraiment marre. Vraiment, je m'amuse moyen. Et j'ai mieux à faire, beaucoup mieux. Ah ouais, là... Je sature assez vite maintenant, hein. J'ai vraiment plus la patience d'avant. J'ai vraiment plus envie de ça, quoi. Vraiment... Je sais pas, ça me saoule, je sais pas. Ça me gonfle. Ouais, je suis vieux, hein, mais bon, je l'assume complètement, ça. Hein. C'est... J'ai fini à mon temps, hein. Je devrais arrêter totalement, mais bon. Bref, c'est terminé cette merde. Et on n'en parle plus. He transformed? That did the trick. Chris, aim for that tear in the shoulder and chest. Concentrate fire. Right. Alors. Je sais plus, c'est ça, oui. Esquive, c'est ça, d'accord, donc ignorer. Damn, better not get close. Stay on your toes. I have a bad feeling about this. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai plus d'armes, j'ai plus rien aussi, quoi. Enfin, c'est génial. Je suis obligé de me le faire au flingue. Ah d'accord, donc la vue qui change et je me prends le coup quand même. Non mais putain, c'est vraiment à chier. J'ai plus d'armes, j'ai plus d'armes. Putain, oh là 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 là. Je sais pas les gars là, là je sais pas. Je sais pas quoi faire là. Bonne nuit Spire Saturn, et merci encore, merci beaucoup. Mais je crois que j'allais me coucher aussi, hein. Tant pis, hein. La fin je la collerai, je sais pas ce que je ferai, mais... j'en ai marre, quoi. Ça m'amuse pas. Putain, c'est invisible avec cette merde. Scénario inintéressant au possible. Je veux changer d'arme, merci. Double coup, d'accord. Ah, puis il a ignoré. Hmm. Y'a pas un bruit quand... Quand tu butes un bulbe là, je sais pas quel bouton, je sais plus. D'accord, c'était l'autre alors. Les QTE de merde. Les QTE impossibles avec la souris, enfin bref. Faut que je me l'écrive quelque part. A, c'est clic droit. B, c'est clic gauche. Je sais pas comment le retenir, ça. Chris,
C'est bon là. Il y a le lot de QTE. Vite, 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 d'accord. Chris, look out! Watch the tentacles! Take it out! Je tire bien dedans, bordel, je peux pas faire mieux. Look, there. Yeah, I see it. That must be its weak spot. Even the great Achilles had us here. Je vais appuyer. Là non, je suis d'accord. Je me suis tué, c'est pas la peine. Allez, encore un essai et je rage quit. C'est bon. Je ferai ça une autre fois. Enfin, je sais pas comment, mais. He transformed? That did the trick. Chris, aim for that tear in the shoulder and chest. Concentrate fire. Right. I have a bad feeling about this. Chris, look out! Watch the tentacles. Take it out. Putain, Alt F4 est vraiment très proche là. Vraiment. Et je supprime le jeu quoi. Encore cette phase de merde et ça marche pas. Ça marche pas. Oh putain, ouais, c'est bon. Allez hop, on arrête là. Bon, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai de ce jeu, si je le continue ou pas, mais. Continuer non. Ça m'a vraiment saoulé quoi. Allez, on s'arrête là. Bien heureux tout le monde, je reprends le lendemain du live où c'était un peu catastrophique sur la fin, j'arrivais à rien. La première mission secondaire, bah, j'y étais pas arrivé, donc je suis passé directement au quatrième chapitre. J'ai réussi les deux premiers niveaux et le troisième, bah, j'étais vraiment saoulé, de toute façon j'étais pas vraiment dedans. Je pense que pas forcément le mettre on va dire en fin de live ce jeu. J'étais pas vraiment dedans, je faisais de la merde et ça m'intéressait pas plus que ça. Bon, j'avoue que le jeu aussi commence un peu à me saturer. C'est pour ça que là, bon, j'ai passé une bonne nuit, j'ai repensé et je me suis dit bon, ça me fait chier quand même de laisser un jeu incomplet sur la chaîne. Et je préfère le faire en... Oh, ça, tais-toi, voilà. Je préfère le faire en sur YouTube. Comme ça, je vais pouvoir faire du montage, couper, et puis si jamais ça me saoule vraiment à un niveau, hop, je reprends un autre jour, etc. Et puis je vous mets donc la fin de ce jeu. Ce que je vais faire également, c'est que je vais me mettre en facile, parce que bah, c'est vraiment dur pour moi, enfin, je sais pas, j'ai du mal, et j'ai pas envie de tryhard de ce jeu, je veux passer à autre chose. Vraiment, là, je fais ça pour pouvoir faire un autre jeu en live, parce que je commence un peu à saturer de celui-ci. Voilà, donc je vais faire une coupure, on va se retrouver donc au boss de fin là que j'avais laissé lors du live, et puis après on fera les missions secondaires que j'aurai débloquées. Donc à tout de suite. Ok, c'est bon, on arrive à la deuxième phase, j'ai toujours mon spray, pas trop dit, mais j'ai gardé mes grenades. Voilà, on va pouvoir s'en débarrasser je pense assez vite, enfin j'espère, quand il montrera son point faible. Ok. J'ai pas mal de fusils également. Ouais, donc là, je me concentre sur le QTE. Putain, j'ai failli me rater. On va bien choper les munitions au sol, mais la caméra bouge sans cesse. Ok. Si c'est pas lancé là, les grenades. J'aimerais choper. Non, j'ai pas de bouton. Oh putain, ça one shot. J'aimerais trouver, choper les trucs par terre, mais c'est quasi impossible. C'est vraiment quasi impossible quoi. Il me reste une balle. Heureusement que je perds moins de vie quand même. Mais bon. Ça reste un cauchemar. Hein. J'ai plus. Non. Putain. C'est horrible les QTE. Mais je peux changer d'arme, j'arrive pas.
c'est vraiment balèze pour viser. Je peux prendre ce qui est au fond. Putain, je peux pas. Ah, j'ai plus de grenade. J'ai tout lancé. Je suis pas sûr de finir. Vers le haut, mais c'est pas aller vers le haut. J'ai pas une... Hit. Je peux prendre ça, j'arrive pas à le prendre. C'est assez ouf. J'ai esquivé, hein. Pourtant j'ai bien fait bouton droit. Putain, c'est passé. Eh ben putain, plus jamais ce boss. Hein. Horrible. Même en facile, il est horrible quoi. Non, non, mais c'est, franchement, c'est là que tu te rends compte que le jeu, il est fait pour être joué à deux, quoi. Mais vraiment, quoi. En solo, c'est... À ce niveau-là, c'est pas fun, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est, on s'est débarrassé de ce con. Ça, c'est bon, on va pouvoir voir la fin. À part s'il a une P3, et là, bon, ça serait abusé. Done for. We struck a fatal blow. The end of Umbrella is just a question of time. But... Yeah. He's still out there. The Talos Project Umbrella placed so much faith in had failed. However... C'était quand même un sacré boss, hein, ce qu'ils ont fait, là. ...quick to pat themselves on the back. It was not by justice or faith that they would prevail against Umbrella that day. No, it was only with my help that they were able to succeed. The only thing that can defeat power is more power. Ironic, perhaps, but the truth can be so cruel. Bon. Alors j'espère que je vais avoir accès au reste, parce que là je me suis mis en facile. Et bah, j'ai pas de rang sur les autres niveaux. Quand on passe d'un niveau de difficulté à un autre, on garde pas les rangs. Vous voyez ? Chapitre 1 et 2, y'a rien, parce que ça je l'avais fait en normal. Donc est-ce que ça a quand même débloqué ? Ouais, ça débloque quand même, donc ça c'est cool. Bon, alors bah, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais enchaîner avec ça et puis essayer de le faire. J'espère que ça va mieux se passer. J'ai beaucoup moins de munitions qu'avant. Peut-être garder le fusil. Hein. On va garder l'équipement qu'il propose par défaut. Donc voilà, on repart là-dessus. Donc c'est sûr que ça va être une redite de ce que j'avais fait en début de live. Je vais sauter la cinématique, hein, on connaît. Espérant que ça se passe mieux. Ah oui, c'est vrai qu'on est en PLS au début. Bon, on a pas beaucoup de vie. Alors, je vais garder le fusil jusque là. Parce que bon. Je crois qu'on s'en fout des araignées. On est pas mort, là. Faut essayer de se soigner à tout prix et je sais pas si j'avais trouvé un spray sur la première tentative. Mais c'est un niveau qui était chaud, hein. Vraiment très peu de checkpoints, voire pas. Il fallait des réflexes. J'ai des grenades, hein. Faut pas que j'oublie. Pas le faire au flingue, c'est hein, vraiment c'est des ennemis balèzes quoi, laisse tomber quoi. Soixante hunters là, c'est bon quoi.
cool, ça aussi. Voilà, là on rentre notre vie. This is the place. Concentré, hein, je dis rien. C'est pas un niveau facile, hein. J'ai bien vu, hein. Ok. Je sais plus où j'étais mort, par contre. On l'a vu ça ou pas? Je crois qu'on l'a vu. Wesker. Ouais, je vais passer. On l'avait vu ça. Wesker. He only cares about people and things that he can manipulate. Putain, bord d'Hunter. But I know the day I stop being useful is the day I'm disposed of. I will make it back. I have to. Bon, j'ai pris un petit coup. Je pense que j'étais mort pas loin de là. Et quand j'ai vu qu'il fallait tout se refaire, j'ai tenté, mais c'est vrai que c'était souvent. Ah oui, c'était le QTE qui m'a tué, alors vite, c'est... ouais, je me rappelle. Putain, je m'étais fait tuer par des corbeaux en fait. Putain, la loose. Non. J'ai pas voulu tirer avec le lance-grenade. C'est dedans ? Ah oui. Je ne peux pas hésiter à tirer dans les caisses, mais en général, il n'y avait rien. Donc là, on ne connaît pas. Oh, now I can use my new toy. C'est un grappin, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, elle l'avait dans le 4, hein, donc ça se passe bien. Sans doute après le 2. De bien viser, enfin je mets 15 ans quoi. Putain, j'ai bien fait de prendre le fusil. C'est bien le lance-grenade, s'il y a un boss à la fin, je devrais lui faire de bons dégâts. 74 cartouches, c'est quand même cool, hein. Il nous file pas mal de fusils, bon faut les voir, mais ça devrait le faire. C'est, je pense que c'est le mode facile qui fait qu'il y en a peut-être un peu plus. Hein. Bien visé, mais vraiment c'est pas facile, hein. Il y a vraiment une lourdeur dans le maniement quoi. Oh super, un checkpoint. Bon bah là c'est cool, on reprendra là.
J'ai l'impression que... Alors soit c'était hyper planqué, mais je suis pas sûr qu'il y ait un... qu'il y avait un spray, quoi. Oh putain, faut laisser appuyer avec ce pistolet. Ouais, arme de poing à rafale, j'avais pas vu le titre. Ah, si tu laisses appuyer, tu fais... t'envoies plein de balles, quoi. Oh le con. Je découvre ça que maintenant, quoi. Ouais, c'est mode Robocop, c'est vachement mieux, quoi. Ça se trouve, le spawn, on l'aura sur la fin, on sait jamais. Ah bah, ok, d'accord. C'est bien ça alors. Bon là c'est la seconde partie. Prendre le fusil, j'aime pas trop. Prendre une porte comme ça en général. Là, je suis pas mal, vie à fond, spray. Ouh. Peut-être un boss là. Bref, là, si je meurs, je reprends là. Bon, ça devrait aller. J'ai plein de grenades aussi. Et de munitions de lance-grenades. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Némésis tout en rocher quoi. C'est bien ce que c'est inévitable quoi, en fait. Ah, c'est pas mal hein. Vraiment. Changer d'arme sinon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a fait une charge là, un truc de ouf. Bon, bref, on va utiliser le spray. C'est très bizarre ce boss. J'ai voulu m'accroupir. Je peux avoir une arme non? Voilà. Putain, c'est ouf, hein. Tu te fais enchaîner, tu peux pas changer d'arme, t'es tout le temps chargeur vide. Tu peux rien faire quoi, tu subis beaucoup hein, dans ce jeu quand même. C'est très bizarre quoi. Ah mais c'est pas fini. Merde. Putain, je pensais que c'était le boss. There it is. Il a pas une arme. There's too much in my way. I need to get higher. Ah, ça c'est bien. Putain, j'espère qu'il n'y a pas un autre boss là parce que j'ai cramé beaucoup de munitions et j'ai pris le spray. J'ai pas eu le lore. Putain, ça marche vraiment ça. You can have it. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal. You think I'm reckless? Don't you? You stole a computer core from your own company. I wouldn't exactly call that stable. The people who go down in history as its heroes are never stable. Inside UMF-013 is all of the research data. L'UMF-103, c'est parce qu'on a eu à la fin du chapitre 4, là, où c'était marqué No Data. En fait, je suis en train d'enchaîner, ça se fait à la fin du quatrième chapitre.
putain, mais non. Ils ont atomisé la ville. I survived the fate of Raccoon City thanks to Wesker's warning. Of course, I knew the only reason my life was spared was because I had the G-virus tissue fragment. But I would settle things in time. We were both used to being backstabbed and manipulated. I had a feeling our partnership would last a little while longer. Ok, donc on a fini ce chapitre, mais je sais pas s'il y en a d'autres avec elle. Temps S. Ah, j'ai plein de points là, va falloir peut-être que j'upgrade le pistolet mitrailleur là. Il était bien celui-là. Ok, bon, après, j'étais en facile, donc ça se sentait quand même. Mais bon. Moi, ça me dérange pas là, pour ce jeu de jouer ainsi. Continue si ouais, mais... Ah putain, c'est 5 après. C'était pourquoi là le suivant ? Ils disent pas. Augmenter capacité, mais c'est ce que je viens de faire. J'aimerais augmenter la. Ah non, capacité. Non, c'est munitions que j'ai augmenté. Je trouve que j'arrive jamais à 1500, faut arrêter les conneries. Donc on a ça, je crois pas. Ou alors faut avoir fini tout ce qu'il y a là pour qu'il y ait une autre mission ici. C'est pas grave, on va faire ici, hein. De toute façon on fait ce qui est disponible. Donc on va jouer avec Wesker. On propose quoi, le fusil encore? Bah écoutez, hein, le fusil est quand même pas mal. Même s'il est que niveau 1, je peux pas l'augmenter vite fait là, quand même. Attends. Allez. Allez, il faut 4. Ah c'est con, j'ai pas upgradé la bonne arme. Tant pis, ça m'apprendra. Ah, j'ai que 40 cartouches en même temps. Ouais, vas-y. On verra bien. Je sais pas du tout comment est le niveau, donc... The only thing that can defeat power is more power. That is the one constant in this universe. However, there is no point in power if it consumes itself. I will enlist the help of an old friend against our common foe. I will use one pawn to eliminate the other and emerge with the spoils for myself. There's no time to wait for authorization from the Russian government. That facility is an umbrella base. Yeah. We can't let them get away with this. Chris, it appears our fates are forever intertwined. Soit. Like a little black cockroach. Biohazard level 4. Contamination detected. Casualties? Over 90% of the research staff have been eliminated. In the primary contamination zone, the survival rate is less than 2%. It is such a waste to destroy this place. But we don't have a choice. With you and Talos, we can always start over. Proceed with the Talos activation. We need him operational before the Russian government arrives. Acknowledged. Resetting activation program schedule. Two airborne objects are approaching at high speeds toward the facility from the northeast. Did you think it would be that easy? I'll enjoy this challenge. Ok. Bon, je vous avoue que l'histoire, voilà, c'est pas ce qui me passionne le plus. Ah, il a un pistolet silencieux. Out of my way now.
ça tire pas. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Bah, voir si ça tirait, mais c'était le bruit qui était bizarre. Bizarre, parfois il leur faut un coup, parfois 50. J'aurais pas dû prendre ça. Ça oui. Je veux le prendre, j'arrive pas. Putain, c'est incroyable. Je vous dis pas, mais j'ai foutu des coups vers la gauche, ça y allait pas quoi. Là c'était hyper flagrant quoi. Ça tire vraiment ou pas. Putain, j'ai cramé toutes mes munitions quoi. Il y avait trop d'ennemis. Attends, je sais pas pourquoi il est un silencieux quoi. C'est quoi l'intérêt quoi. Bon, en tout cas, j'ai le spray, j'ai la vie à fond. Mais voilà, j'ai très très peu de munitions quoi. Non, putain, quel con, j'ai pris les deux. J'essaie de prendre. Mais 4 coups de fusil ne meurent pas, à bout portant. Je comprends pas la gestion des dégâts. Hein. Il meurt en une balle de mitraillette de foire quoi. C'est quand même spécial hein. Ok, tout s'est passé dans ce wagon. What's this? Il est en bas. Ok, un checkpoint. Plutôt bien. Bon, j'ai encore cramé pas mal de munitions. Mais bon, peut-être que j'ai à chaque fois ce qu'il faut pour réussir les scènes. Putain, j'ai pas le temps de viser. Hein. C'est incroyable. Putain, c'était un boss lui, non? J'aime bien couper le temps. Merde, il y avait une arme. Là.
prendre le fusil un peu plus que je prends que ça. Là ou pas, enfin, pas trop. Ouais, là c'est bon. Comrade Wesker, welcome to my humble abode. I see you are still resolved to go down with the ship, Colonel. Umbrella's not going anywhere. All of the pain, the punishment and the difficulties helped to make Umbrella stronger. It's a shame you couldn't understand. Stand aside. Oh, I almost forgot. Here are a few of my old friends I'd like to introduce you to. Charmed. On l'avait pas déjà affronté, lui? Ah mais ils sont deux. Je pense que oui, mais pas à deux, quoi. Putain, Russia, ça va être chaud. A peaceful place, don't you agree? A perfect place for your final resting spot. Donc là, faut être deux joueurs, quoi. I'm more powerful than last time. A protective cold. That leaves the head. Enfin, si la caméra arrête pas de bouger, ça va être compliqué, hein. J'ai essayé d'avoir l'arme, mais là c'est assez compliqué, hein. Je spam, mais j'arrive pas à le prendre. Oh putain. Ah, la caméra elle bouge tout le temps. Dommage, j'ai pas réussi, ah j'ai plus d'armes. Putain, je suis au milieu. Ah d'accord, mais j'ai plus d'armes du tout. Ok, bon. C'est mon pistolet alors. J'essaye d'avoir ça, j'y arrive pas. Putain, c'est ouf. Donc, tant pis, je prends le coup, je vais essayer de prendre l'arme surtout. Je spam, j'y arrive pas. En fait c'est un troll, on peut pas le prendre cette arme. Putain mais c'est ignoble. J'essaye de le prendre. Ça y est, ça me gonfle, mais max quoi. C'est tellement injouable. Faire une pause après ça. Ça y est, j'ai ma dose là de ce jeu pour aujourd'hui. C'est triste, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Je sais pas, on passe son temps à courir partout. Enfin. Je l'ai fait, hein. Je vais me laisser te crever, c'est pas la peine. Voilà, allez, on va recommencer. Ah ouais, ouais, non, je suis. Final, je suis quand même pas fan, hein, de ce jeu. Enfin, cette fin. C'était bien de revoir là, les premiers épisodes. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et là, les trucs bonus, la qualité est descendue. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais je pense que c'est un fake, hein, le truc qui est à droite. C'est juste impossible à avoir. Ah si, je l'ai eu. Ah putain.
essayer. Ça manque totalement de munitions quand même. Ok, le missile est impossible à avoir. C'est le bleu, hein, je crois qu'il est plus endommagé. Oh, mais je fais pas de dégâts avec cette arme. T'enlèves le silencieux au moins. Oh, ça va être très long. Rien. Ça je peux le prendre? Ok, merci. C'est long. J'arrive pas à viser, ça bouge tout le temps. J'ai hâte que ça se finisse, hein. Vraiment quoi. Ça, j'espère que l'autre va pas être boosté. One down. Oh putain, il a la moitié de sa vie. Ça va être super long. Hein. Je vais peut-être vous faire une accélération. Hein. Ça va être affreusement long, quoi. Et sans intérêt. Mais crève putain, j'arrive pas à viser quoi. Allez, c'est bon. Pouah putain, ça c'était un boss de merde, hein. Vraiment l'ennui à son paroxysme. L'ennui quoi. Allez, tant que ça se termine. Ok, c'est bon. Ok, donc j'ai débloqué un chapeau. Enfin, scénario 2. Je vais booster, je sais pas, le fusil, je pense. Quoique non, ça dépend de ce qu'on me propose. Augmenter munitions, hein, mais je peux rien faire d'autre. Ok, merde, de toute façon. Squad prochain, augmenter capacité. Quand est-ce que c'est les dégâts? Allez, deuxième, c'est peut-être le dernier pour ça, en tout cas ce chapitre. Le fusil, ouais. J'en ai que 16. C'est pas beaucoup, hein. Si je prenais celui-là. Moi j'ai 28 cartouches. Bon, je sais pas, on va voir. Allez, qu'on en finisse.
cool. Bah, on refait l'ascenseur là. Looks like someone already went down. On va faire ça. Chris. Ah non, il refait ses sauts là. À peine le temps quoi. Putain, il y en a partout quoi. Alors, j'espère s'ils remettent un boss, j'espère qu'il sera un peu mieux que ce qu'on a eu là. Alors, j'ai pas envie de gâcher mes munitions là. Vu l'expérience qu'on a eu avant où on avait que dalle. Cramer toutes mes balles. Cool. Ah, ça aussi, c'est bien. On prend tout. Hein. Non. Pourquoi j'avais ça? Pourquoi j'avais cette arme-là? Ça vise bien ce truc. Ça prend la moitié des inputs à chaque fois. Pff, ah, c'est usant. C'est vraiment de la merde, cette arme. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Parfois, ça marche nickel et parfois. Je dois être très mauvais, je pense. Peut-être. Vraiment je me démerde très très mal, pourtant je suis à la souris, c'est ça qui est incroyable. Mais le fait de ne pas entendre son arme tirer, c'est un peu perturbant aussi. Je fais mal là ou quoi? Il est. Je peux pas prendre. You're causing quite the diversion. Everything's going just as expected. Ah, okay, c'était de l'herbe. Tant qu'on... Je suis un peu obligé de spammer quoi, parce que sinon, hop, la caméra tourne et c'est fini. Ok. Checkpoint, bon. C'est en ça, j'ai toujours mon spray. Ah oui, ça se pète ça.
admire their tenacity. Putain, quelle arme de merde. Aucune idée si c'est efficace hein, ce que je fais. J'ai plus d'armes, d'accord. Enfin de munitions pour le fusil. Ah ouais, vraiment, on se retape ça. Bon, je comprends rien. Vraiment, c'est. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est vraiment... Elle est très bizarre son arme de base. Je sais pas. Enlève le silencieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrosé comme ça quoi. On va essayer encore sans jouer là. Close at hand. Bien. Code name Talos. Oh, on va se retaper ce boss, non? Ah non, là c'est le combat. All controlled by the Red Queen computer. Et Chris. The ultimate weapon. You got Ivan? Not bad, comrade. So this is it. Yes. She was activated that night at the mansion. I extracted her before Raccoon City became nothing more than a memory. Her and I have a lot in common. She linked with Talos, desiring more information and more data. She wanted to know the truth, no matter how painful that reality may be. That thing is merely a tool. What it wants is something the user determines for it. It's good that we can be honest with each other. That's the sign of a healthy relationship. It's a shame that this friendship has to end. Qu'est-ce que cette chose encore? Bon bah un combat encore, je pense, épique. Your lack of creativity disappoints me. I expected more from you. Putain, est-ce qu'on est direct? Écoutez. I have to wait for him to stop jumping around. Ah mais il faut une mitraillette là. Oh putain. Oh, ça va être bordélique à souhait encore. Ça sent le boss à deux phases. Some fight left, old friend.
Ah, mais quand j'aurai plus de mitraillette, c'est mort. Non, tu gourais. Ah bah, ok. Eh ben, ça risque d'être compliqué une nouvelle fois. Ah, ça va être intéressant quand j'aurai vraiment plus de munitions. Je peux rien faire pour ça. Oh, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie, quoi. Je peux pas comme ça. J'ai envie de dégueuler presque, vraiment. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, je vais faire une coupure, je vous mets la bonne séquence. Moi, je vais voir comment on fait sur un guide ou quelque chose, parce que ça m'intéresse pas en vrai. Ça m'intéresse toujours pas en vrai. Et voilà, on va faire comme ça, donc petite coupure, et puis j'espère arriver à tuer cette merde. Left to call home. Spencer gave me a home and a purpose. I passed the test for becoming a tyrant. I gained my position by allowing them to make 10 clones of me. The tyrants, my brothers. My brothers and I will issue in a new era for all mankind. Enough. Ah putain, j'ai plus de pistolet. C'est mort. Do what you want with me. Tu prends des coups. Non mais putain, c'est impossible quoi, en vrai. En vrai, c'est impossible. Charge. Ça passe. Hein. Oh, ça passe. Putain. Oh, ignoble. Encore une fois. Hein. Et vraiment, cette fin, elle est... Putain, elle est dégueulasse au possible. Hein. En fait, je suis allé voir sur un guide vidéo, mais les gars, ils ont 3000 munitions, ils ont toutes les pires armes et tout. Moi, je suis comme un simple pistolet avec silencieux. C'était vraiment très compliqué, hein. Et tout seul. Hein. Bref. En même temps, je sais pas si on peut jouer à deux dans ces missions-là. Il y aurait deux Wesker. Enfin bon, putain, c'est enfin fait, ça. Ah, je vous dis, le Dark Side Chronicles, je suis pas sûr de le faire avant beaucoup de mois. J'ai eu vraiment ma dose, encore une fois, pour ce genre de jeu là. Mais c'est pas fini, hein. J'ai peut-être encore une mission là derrière. On va voir. All data erased.
soon, Umbrella will be gone forever. They held the power of the T-Virus in their hands, but they lack the proper vision. The true vision of the future. And now, it falls to me to usher in this new future. Oh putain. Ah non, on a peut-être vraiment fini. C'est vrai qu'on n'a pas eu les crédits de fin jusque-là, quoi. Oh bah dis donc, putain, ça fait plaisir. Hein. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir repris le jeu bien des semaines après que bon, bah, j'arrivais plus à mettre dedans ou que ça me saoulait. Et c'était assez compliqué. Hein. Pour moi là, cette reprise là-dessus. Après je trouve, je sais pas, ça, moi je pense que j'étais plus dedans quoi. Après j'ai quand même pas mal râlé, je pense, dans l'ensemble du jeu, hein, que bon. C'est peut-être 100 fois mieux de jouer avec une Wiimote, et encore, bon, je pouvais pas de toute façon. Et encore, ça me paraît super complexe vu la précision. Mais la souris, c'était pas si précis que ça, c'était très frustrant au niveau de la lourdeur des déplacements. Parfois, j'étais obligé de foutre des grands coups de souris pour que ça se décale un peu à gauche, alors que parfois non. Enfin bref, il y a peut-être un problème d'émulation là-dessus, c'est pour ça que mon expérience était assez moyen. Mais même, je sais pas, je trouvais que, enfin, c'est comme ça, mais au bout d'un moment, ça se répète beaucoup, forcément. Pour ça, je pense qu'il vaut mieux faire les chapitres classiques liés aux autres Resident Evil. Le quatrième chapitre, franchement, je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai trouvé fade, pas intéressant. Et les quêtes annexes, bon, c'est bien sympa, mais bon, voilà, sans plus non plus. Il y a eu des boss de l'ennui, hein, là. Je me rappelle plus sur les premiers, mais là on a eu les deux boss là. C'était très long pour les buter. Après bien sûr, j'avais pas non plus les munitions, tout ça, j'avais que dalle. Peut-être qu'il faut farmer les premiers niveaux comme pas possible pour avoir vraiment beaucoup de munitions dans les armes pour les missions suivantes. Bon, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Ça m'intéressait absolument pas de faire ça, donc je l'ai pas fait. Mais voilà, peut-être que c'était l'idée qu'il fallait farmer les premiers niveaux pour pouvoir être mieux équipé par la suite. Quoi. Bon, en tout cas, c'est cool, on l'a fait. Je vais quand même voir s'il n'y a pas un truc qui se débloque. Après, j'avais cru, j'avais souvenir qu'il y avait un truc une fois qu'on avait fini toutes les missions. Mais bon, on verra bien. Alors, c'est peut-être des crédits qui vont durer 15 ans, hein. Je sais pas du tout. S'il y a vachement de monde en plus, les affiches à chaque fois une personne par écran. Ça risque de durer longtemps quoi. Mais voilà, je sais pas si je ferai la suite, hein. En tout cas c'est clair, ce sera pas maintenant. J'ai peur que j'ai exactement la même expérience. Ah putain, d'accord, là il y a vraiment les crédits, ça va durer 15 ans. Donc voilà. Au final, je l'ai bien aimé, mais je comprends que la note soit un peu moyenne. Je l'ai rejoué un peu là-dessus. Hein. Le fun, je l'avais plus. Hein. Sur la fin, je l'avais clairement plus. Ah non, c'est déjà fini. My dear Spencer, how the mighty have fallen. Bref, c'est peut-être vraiment le genre de jeu à se faire à deux. Your umbrella has folded, and now you are a fugitive in the same world you once sought to control. Welcome to the Umbrella Archives. Please select the desired service from the menu. We shall meet again before the conclusion of this drama. Then you will learn of the history. I will write for this world. Bon, ça fait pas 15 fois qu'il le dit, ça. Bon, j'arrête là. Ok, on va voir ça. En C. Putain, il veut dire qu'il y en a qui s'amusent à faire tout en rang S, quoi. Faut vraiment être passionné, hein. Alors, est-ce qu'il y a un new qui apparaît? Ah, si, il y a un nouveau. Ah, putain, si, il y a ça, le quatrième survivant. Je pense que ça, c'est l'enfer. Bon, ça, c'est le dernier truc.
avec comment il s'appelle, Hunk, voilà. Donc ça c'est vraiment la dernière mission qu'on débloque une fois qu'on a fait tout le reste. Donc c'est pas fini, on va s'y mettre. J'ai combien d'étoiles là, j'ai pas vu. Je pense pas que j'ai beaucoup avec un rang C, je dois avoir juste une étoile en plus, mais je crois que j'avais consommé de toute façon. Ouais, j'ai qu'une étoile, laisse tomber. Aïe aïe aïe, par contre j'ai que dalle en munitions. Je sens que ça va être l'enfer ce truc. Putain, je vais garder ça. Ils ont dû foutre le paquet là, un truc interminable. Putain, la vision un peu exagérée quand même. Alpha team here, respond. This is Nighthawk. I have secured G. I'm all that is left of Alpha team. I'm en route to the rendezvous point. Du coup, ça va peut-être faire une grosse vidéo hein, pour cette partie-là, mais bon, au moins, ça sera fait, quoi. De toute façon, avec les timecodes, maintenant, je pense que c'est mieux hein, pour tout le monde. Avec les timecodes, une vidéo fasse 1 heure ou 3 heures, le chapitrage est plutôt cool. Quoi. He was injured in a firefight. He injected himself with the G virus and came back to life. Yes. I see. That's unfortunate. How are the other G samples? The containment of the damage is fine. And the virus is likely to contaminate the area. We will have to continue. Understood. I'll put in the request. What the hell are those things? Connection. Mal. Mais il y a trop de monde. Allez, putain, tombé. C'est que ce délire là, il y a trop d'ennemis. Ah, je peux avoir des munitions aussi. Hein. Aucune munition quoi. Est-ce qu'il fallait farmer comme pas possible là aussi? Je l'ai fait. Meurs. Meurs. Tellement infect. Absolument rien.
Checkpoint, putain. Et je fais tout au flingue, c'est horrible. Je sais pas si c'est normal ça. Mais attends, ça va devenir compliqué là. Larson là d'un coup. Putain. Merci. Putain, je sais pas si j'arriverai à faire deux fois ce que j'ai fait là. Franchement, ça a été le carnage. Oh putain, oh, je l'ai eu. Je sais pas ce qui se passe à la radio là. Je vais pas tirer plus vite. Le mec il craque quoi à la radio. En même temps, c'est vrai que c'est un peu l'apocalypse, quoi. En tout cas, douche. Oh non, mais ça, j'ai jamais compris quand ça se bute. Il va ouvrir la gueule, j'ai l'impression. Si tu me parles à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis à la recherche. Oh merde, QTE. T'as le moment dramatique parce qu'il y a un ennemi, alors que bon, jusque là, on se tape tout le temps les mêmes. Attends, ils sont à l'extrémité des bords. Pour l'instant, je m'en sors assez bien. Tendu quand même. Oh putain, c'est 50 000 ennemis, voilà, j'ai plus de munitions. Ouais, je vais prendre cher. Oh là. Heureusement que je suis en facile, hein.
plus de munitions du tout. Plus que le flingue, quoi. Mission accomplished. The survival rate was 4%, and valuable human resources were lost. But that is war. The mission objective takes priority over everything else. Holding to that principle is why I have never failed a mission. The death cannot die. Oh putain, et je m'en suis bien sorti, hein. Ah, j'y croyais pas. Ah, je pensais qu'il y aurait un boss là, faut que ça allait être l'infamie. En fait, putain, non, la difficulté c'est qu'on a zéro munition, quoi. Alors, soit t'es blindé au début, avec ton arme secondaire. Scénario secret des armées disponibles en jeu coopératif. Ah, d'accord, donc maintenant, tous les scénarios secondaires, on peut jouer à deux. Jusque là, c'était pas possible. Putain, je suis content là, je pensais que j'allais en chier là. Avec lui. Et bah finalement c'est bien passé. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que c'est fini. Attends, il y a nouveau là. Niveau spécial. Oh putain, ça se termine jamais, hein. 1 sur 10, c'est quoi? Ah, ça doit être un... Comment on appelle ça là? Mode survie. C'est bien ce que je fais ou pas? Ça reste tout le temps à 1 sur 10. Tête qui apparaissent là. Qu'est-ce que c'est que ce mode là? Ah, ça arrive à 300 à l'heure. Bon, il y a 10 rounds et là c'est le premier round. 300... Ah ouais, 2. C'est un truc un peu... Je vais pas dire bidon, mais c'est pas nécessaire. C'est pas une histoire. T'es pas forcément obligé de les buter, quoi. À moins que ça se trouve. Putain. Ceux qui survivent, ils viennent attaquer après. Ah, ça, il y en avait que deux là. C'est pas le plus passionnant. Hein. Oui, je l'aurais dans ma gueule, sur ma gueule. Donc 2. Putain, 3. Bien, ça y est, 103. Bon, je vous passe sans l'accélérer parce que ça va être long. La vidéo est déjà assez longue comme ça et c'est pas... Je pense que c'est pas passionnant à voir. Putain, et voilà. Putain, il y en avait que 3. J'ai plus de voix. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Bon, c'était pas passionnant du temps, hein, comme pour beaucoup de choses. Mais là, vraiment, c'était l'ennui, une nouvelle fois. Mais bref, je vous aurai tout montré, en tout cas l'émission. Ça, c'est un petit jeu bonus. Et puis voilà, hein, je pense que vraiment, il n'y a rien d'autre. En fait, ici... Oui, non, c'est bon, c'était ça le dernier truc. Donc, on a vraiment tout montré là sur ce jeu. Bon bah j'espère quand même que ça vous a plu, enfin je suppose, hein, je sais pas, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui va regarder ces rediffs. Je comprendrai si c'est pas le cas, c'est pas le plus passionnant à voir. Et donc bah on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut !